Thank you, Father. Merci, Père, for the revelation of your glory. Pour la révélation de ta gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. How many of you here are fighters? Combien sont ceux qui sont combattants? Lève-toi si tu es combattant. Lève-toi. Lève-toi si tu es combattant. You are fighters? Vous êtes des combattants? Dis-moi si ou bien oui. Dis-moi si tu es combattant, oui ou bien non. Ah, d'accord. What are you fighting? Qui combattez-vous? L'ennemi. Répondez. Répondez-moi. Le diable. Le ténèbre. La maladie. So what are you fighting? Qu'est-ce que vous combattez? Satan. Satan. Viens. Comme tu dis Satan, viens ici. Tu dis tu combats Satan, viens ici. Qui a parlé? Is that you? Pas toi. Oui. Qui a bleu? You fight Satan? Tu combats Satan? Oui. Show me your strength with which you fight Satan. Montre-moi la puissance et la force avec laquelle tu combats Satan. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ? Voilà. You are correct. Tu es correct. Clap for yourself. Amen. All right. Sit down. Venez-vous asseoir. All of us here. Tous ceux qui sont ici. By God. Par Dieu. Are made fighters. Ont été faits des combattants. Amen. We are made to fight at two levels. Nous sommes amenés le combat à deux niveaux. Étage. All right. There is the fight we fight. Il y a des combats que nous menons. And we go ahead in the war. Il y a des combats que nous menons et nous avançons dans le monde. And the Lord follows us. Et le Seigneur nous suit. Le Seigneur nous accompagne. Is the common type of fight. C'est le combat habituel. We are in front. Nous sommes devant. And the Lord goes with us. Et le Seigneur va avec nous. Le premier combat. Le premier combat. Le premier niveau du combat.
That's at level one. C'est le premier niveau du combat. Then there's another level of fighting. Mais il y a un autre niveau de combat. In that second fight, dans ce second niveau de combat, the Lord goes in front. Le Seigneur nous précède. For us, pour nous, and we go after him. Et nous le suivons. That is the higher. C'est le plus haut niveau de combat. But there's one law of victory for both fights. Mais il y a une loi de victoire pour les deux types de combat. There is one law for victory. Il y a une seule loi pour la victoire. For both fights. Pour les deux combats, pour les deux types de combat. There is one law. Il y a une seule loi. So, if you are a fighter here, donc si tu es un combattant ici, why is it important for you to hear? Mais pourquoi il est important pour toi d'écouter? There is a time when others fight for you and you don't fight. Il y a des moments où des personnes combattent pour toi et toi tu ne combats pas. We all, nous tous, we are in that level. Nous sommes à ce niveau. And God says to us, et Dieu nous dit, don't fight. Ne combat pas. But your enemies which you see today, may your enemies which you see today, you will see them no more. In that we don't fight. God fights for us. We did not fight. God fought for us. Ce combat pour nous. Now God has another law. There's another law. Oh, mais il y a une loi. But in the two levels of fight, which all of us must be involved in today. Okay, donc les deux niveaux de combat, nous tous devons être impliqués dedans aujourd'hui. Amen. We must know how to fight the fight. Nous devons savoir comment mener le combat. And we will always win. And why do we always win? We shall say it. Et nous allons toujours gagner. Et pourquoi est-ce que nous allons toujours gagner? Nous allons le dire. All right, so let's look at when we didn't know what to do, we didn't fight, and God fought for us. Donc, regarde dans le moment où nous ne savons pas quoi faire et Dieu combat pour nous. The victory is so sweet. La victoire est tellement bonne. And people don't want to grow from that level. Et à cause de cela, les gens n'aiment pas traverser ce niveau-là. Ils n'aiment pas grandir ce niveau. Bon. So we go into that one in Exodus. Donc alors c'est dans le livre d'Exode. The first kind of fight we are brought in. Donc alors le premier niveau de combat dans lequel nous tous sommes engagés, le premier niveau. In which the matter concerns us, but we don't fight. Mais, God fought for us. Mais cela, ce niveau nous concerne, mais ne commande pas, mais c'est Dieu qui combat pour nous. So go to the book of Exodus, and then we shall read it out from the Bible. Et on va lire à travers la parole de Dieu. How many of you have Bibles? Combien de personnes ont des Bibles ici? May not be here, may be at home. Peut-être à la maison, mais ça est ici.
raison sur le rêve. Sur le tapis. How many of you want Bibles but you don't have the money to buy? Stand up. Hold your try cut the booze. Van? C'est fini. So you are less than 50. Donc vous êtes moins de 50. Sit down. Venez vous asseoir. All right. How many of you can read out of the 50 people? Parmi tous environ 50 personnes, combien sont ceux qui peuvent lire? But don't have the Bible. Stand. Because you can't read the Bible. On doit track at this. 14. Vous pouvez faire la Bible. You can read? You don't have? Est-ce que vous pouvez lire? Vous savez lire? Mais il n'est pas deep. And you don't have the Bible. Vous n'avez pas de Bible? All right, 26 persons. Environ 26 persons. All right, so I will ask this man to please buy Bibles for these 26 persons. To our grand frère, ne crains pas. Hallelujah! Amen. In Exodus 14, reading verse 13. Le verset à partir de 13. Lisez pour nous. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les délices que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. De 9 et 14, L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. So sweet. C'est tellement vous. It says, I will fight for you. Je combattrai pour vous. Hold your peace. Restez tranquille. Your enemies which you see today, you see them no more forever. That's the first type of fight. Ça, c'est le premier niveau de combat. God fights. Dieu combat. Hallelujah. Hallelujah. And we hold our peace. Et nous gardons le silence. Alors, though we don't fight, and although we didn't fight them, there are two things God required of us. Mais il y a deux choses que Dieu nous demande. Dieu nous exige. We shall talk about them later. Nous allons parler de cela plus tard. But now, maintenant, we want to talk about the highest kind of fight. Je vais parler du niveau élevé du combat. Mon bébé, tu es là? Oui, la soeur, tu es là? Comment tu t'appelles? Écoutez bien. Listen carefully. Non! Assieds-toi ici. Glory to God. Gloire à Dieu.
So the topic of our message, le thème de notre message, is the testimony, le témoignage, of the fighters, le témoignage des combattants. I will ask you a question and you will answer me. What is the power behind total victory all the time? What's the secret? Quel est le pouvoir caché derrière la victoire de tout le temps? Mais quel est le secret? You will answer me. Vous allez me répondre in your various languages. Dans vos différentes langues. The secret is the testimony of the fighters. Le secret, c'est le témoignage du combattant. That's what you will answer when they ask you the question. Si vous posez la question, c'est comme vous allez répondre. What is the secret of always winning the battle of life? Quel est le secret pour avoir la victoire continuelle dans la vie? So you will answer me. Vous allez me répondre. The testimony of the fighters. Le témoignage du combattant. Amen. Amen. Come with me to the last book of the Bible, chapter 12, verse 11. So read verse 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verse 12? No. The testimony of the fighters. Le témoignage du combattant. I want you to learn the testimony of the fighters. I want you to learn it, to know how vous apprenez le témoignage du combattant. Because if you have the testimony, si tu as le témoignage, you have the testimony, tu as le témoignage en toi, in your fight, tu as le témoignage dans ton combat, you will always win. Amen. Tu vas toujours avoir la victoire. Amen. Look at Revelation 12:11. Regarde Apocalypse 11. It does not say that what the fighters say is what gives them the victory. But the kind of testimony the fighters have. Mais le type de témoignage que le combattant a possède en lui. Amen. Amen. Every fighter, tout combattant, must understand the law, doit comprendre la loi that should govern his testimony. Donc la loi qui sous-tend son témoignage. Otherwise, he can't win. Sinon, il ne pourra pas avoir de victoire. Because victory comes from the law. Parce que la victoire du Seigneur vient du loi. And the law, la is the voice of Christ. Et la loi, c'est la voix de Christ. In this last hour, dans cette dernière journée, the battle is extremely hot. Le combat est extrêmement chaud. But
God will always make us win. Mais le Seigneur nous accordera toujours la victoire. If we understand, si nous comprenons, the law, la loi, that will govern, la loi qui régit, the law that governs our testimony, la loi qui régit notre témoignage. No, maintenant, listen closely. Écoutez-moi attentivement. When we read the book of Exodus, quand on a lu le livre d'Exode, the Lord said to the people, le Dieu a dit au peuple, hold your peace. Gardez silence. Fear not. Ne craignez rien. Be at rest. Soyez à l'aise. Soyez calme. You will not need to fight. Vous n'avez pas besoin de combattre like an ordinary man. Vous n'êtes pas comme des hommes ordinaires. These enemies you see today, you will see them no more forever. God always observes his law. Dieu observe toujours sa loi. What God does, ce que Dieu fait, at any given time, à un certain moment, he does it again. Il le fait encore. And he will do it here again. Et il va encore le faire. Who are those people God spoke to that they should hold their peace? Mais qui sont ceux à qui Dieu a dit de garder le cap? Who are these people? Mais qui sont ceux-là? They are people who have stayed under the blood. Ce sont ceux qui étaient sous la loi. Under the blood, le sang. Et ceux qui étaient sous le sang. Only those who are under the blood of Jesus Christ can have the victory. Ceux qui sont sous le pouvoir du sang de Jésus pourront avoir une victoire. Let the blood of Jesus Christ always be before your eyes. Que le sang de Jésus soit pour un saut devant tes yeux. It is not something outside of you. Ce n'est pas une chose qui est à l'extérieur de toi. It is something inside of you. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Abide in him. Et enraciné en toi. Abide in the blood. Et demeure enraciné dans le sang. Abide in the blood. Reste enraciné dans le sang. Abide in the blood. Reste dans le sang. Abide in the blood. Reste dans le sang. Voilà ton corps. Look into your heart. Regarde à ton cœur. Il est dans. Il est dans ton cœur. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Let everybody say, the blood of Jesus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Is inside of me. Est à l'intérieur de moi. God does not speak to someone, quand tu parles à quelqu'un, giving him the victory in the battle. Il donne la victoire au combat. Who does not know? Qui ne connaît pas? Who does not believe? Qui ne croit pas? That the blood of Jesus is inside of him. Qui ne croit pas que le sang de Jésus est en lui? Say with me. Répète avec moi. Jesus, Jésus, and his blood, avec son sang, same thing, sont les mêmes. Amen. Jesus, Jésus, working salvation is the blood of Jesus. Le travail de salut de Jésus, c'est le sang de Jésus. Amen. Répétez, tout le monde. Tout le monde répète.
Say it in French, let us say it after you. Okay. Mm. Le travail du salut de Jésus, c'est le sang de Jésus. Le travail du salut de Jésus, c'est le sang de Jésus. Not very correct. The work of Jesus in redeeming us and saving us is the blood of Jesus. Le travail de Jésus pour nous sauver, pour nous racheter, est son sang. Hallelujah! The blood. Le sang. For victory now. Le sang de la victoire maintenant. Is the ministry of Jesus Christ inside of you. C'est le ministère de Jésus en vous. Amen. Glory. Christ. So the fighter. Toi le combattant. Must know. Doit le savoir. Must be convinced. Doit être convaincu. That he cannot fail. Qu'il ne peut pas échouer. He cannot fall. Il ne peut pas tomber. He will always have victory. Il va toujours avoir de la victoire. Because the blood of Jesus. Parce que le sang de Jésus est à l'intérieur de lui. Damaka, j'ai trouvé Jésus dans mon corps. Oh, yeah. J'ai dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur. Damaka, j'ai trouvé sa sang dans mon corps. Dans mon cœur, j'ai trouvé son sang dans mon cœur. Hallelujah! Did you hear what I said? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? When I sang, quand je chante, I did not say, je n'ai pas dit, Jesus Christ is in my heart. Ce n'est pas dit que Jésus est dans mon cœur. I didn't say so. Did I say so? Est-ce que j'ai dit cela? I didn't say Jesus Christ. Jesus Christ is in my heart. Did I say so? I didn't say so. Jésus-Christ est dans mon cœur. Non, ce n'est pas dit cela. Did I say so? Est-ce que j'ai dit cela? Comme ci, comme ça. Let la force pour ta voix. Did I say Jesus is in my heart? Est-ce que j'ai dit que Jésus est dans mon cœur? Oh, I didn't say so. Donc il est dans ton cœur. Si son sang est là-bas. Pas Jésus. Il dit Jésus est dans ton cœur. Jésus est dans le cœur. I did not say Jesus Christ is in my heart. Je n'ai pas dit que Jésus est dans mon cœur. Did I say so? Est-ce que j'ai dit cela? Did I say so? Non. Oh, oui? Ou bien non? Oui. I said Jesus is in my heart. But I didn't say so. Mon frère, traduce pour moi. Yes. I did not say. Je n'ai pas dit. Jesus Christ is in my heart. Jésus est dans mon cœur. I said it before. Je l'ai dit avant. But when I sang, I didn't say so. Je n'ai pas dit cela. Trop d'abord, oh, pour le okay, so what did I say? Donc, qu'est-ce que j'ai dit alors? So my sister, stand up. Donc, ma soeur, venez-vous me lever. Aujourd'hui. Lève-toi. I did not say. Je n'ai pas dit. In my song. Je n'ai pas dit dans mon chant. That Jesus Christ is in my heart. Jésus est dans mon cœur. C'est vrai?
de ton chant là-bas. Parce que pour moi, si le sang de Jésus-Christ est dans mon cœur, c'est que Jésus lui, il est dedans. Oui, mais à Didi, c'est ça. Je peux bien compris avec toi. Oh, yeah? Non. Oui. I did not say Jesus Christ is in my heart. Oui. Oh, you say so, monsieur, say so. Vous avez dit cela, vous avez dit cela dans votre chant. Oui, pas dans le chant, mais ça a été dit avant. Donc, d'accord. C'est beaucoup de mots. D'accord. Répondez. Je dis, I did not say Jesus is in my heart. You can say, no, monsieur, you said it's in your heart. Non, vous avez dit qu'il est dans votre cœur. D'accord, c'est qu'on s'est trompé. Donc on a mal compris. Ok, now, what did I say? If I didn't say Jesus Christ in my heart, what did I say? Mais là, si Jésus n'est pas dans mon cœur, qu'est-ce qu'il a dit alors? On va reprendre la chanson. Ah, c'est good to take the song. Il a beaucoup de sagesse. Ah, a lot of feelings. All right. In my heart, in my heart, I have found Jesus in my heart. Dans mon cœur, j'ai trouvé Jésus dans mon cœur. Maria. Pourquoi tu as la joie? Parce qu'on a compris. Tu comprends? Ah oui. Qu'est-ce que tu comprends? Je comprends que j'ai trouvé Jésus. Trouvé! Once you discover, quand tu découvres Jésus, once you discover, quand tu découvres that Jesus, que Jésus, once you discover it, quand tu découvres that Jesus, que Jésus, that the blood of Jesus, que le sang de Jésus, is in your heart, est dans ton cœur. You will abide in that truth. Tu vas être lié ou bien rattaché à cette vérité. And you bring fruit of victory. Et aller de victoire. You bring fruit. Et tu portes des fruits de victoire. Aha! Always, always. Tous les jours. Si tu comprends que Jésus et dans ton corps, par son sang, je viens. D'où en ce mot, si tu veux revenir ici, tu t'habites, non, tu n'es pas forcé tout le temps. Now, the Bible says in John 15, la Bible dit dans Jean 15, abide in me. Demeurez en moi. Abide in me. Demeurez en moi. How do you abide in him? Mais comment je vais demeurer en lui? By knowing and rejoicing in the fact that Jesus, the mighty Savior that can never fail, is inside your heart. Donc c'est de reconnaître que le Jésus, le vaillant héros qui ne va jamais échouer, est demeure en mon cœur. If you abide in him, si je demeure en lui, then there's victory. Donc il y aura une victoire. Then there's healing. Donc il y a la guérison. There's deliverance. Donc il y a la délivrance. Why? Pourquoi? Because the one inside of you can never fail. Parce que celui qui est en toi n'échoue jamais. No sickness is too great for Jesus. Rien, aucune maladie n'est aussi grande que Jésus. But you must discover it. Mais tu dois découvrir cela. That Christ, que Christ is in you. Est en toi. And in practical terms, et dans un terme pratique,
The blood of Jesus Christ is in you. Le sang de Jésus est en toi. It is Christ working, healing, et delivering. C'est Christ guérissant, faisant des choses, des miracles en toi. Jesus Christ doing that is called the blood of Christ. Jésus faisant cela en toi appelé le sang de Jésus. Amen. Glory. Glory to God. That is the first, that is the basic for all who will have victory in war. Ça c'est la fondation et le fondement de tous ceux qui ont, qui acquièrent des victoires. But that is not the testimony of the fighter. Mais ça, c'est pas le témoignage du combattant. It is assumed. Ça, c'est une assurance. That if you are a fighter, que si tu es un combattant, you have that wonderful. Tu as cela à l'intérieur de toi. So in Revelation 12:11, donc dans Apocalypse 12:11, it says, and they overcame him by the blood. Et ils sont vaincus par le sang de l'agneau. Because once there's any battle, the blood of Christ is at work. Parce que à tout moment, le sang de Jésus est au travail, travaille à tout moment. So what then is the testimony of the fighters? Donc ainsi, mais quel est alors le témoignage du combattant? Christ in you, Christ en toi, and your faith in him, et toi ta foi en lui, is fixed. C'est fixé, c'est stable. But what you speak from your mouth, mais ce que tu sors de ta bouche, there's a law. Il y a une loi. There's a law. Il y a une loi in the word of God. Il y a une loi dans la parole de Dieu that governs your testimony. Il y a une loi qui requiert ce témoignage. And you will know. Et vous allez savoir. Victory upon victory. La victoire in victoire all things. En toutes choses. In your life. Dans ta vie. In your life, dans ta vie, you will know victory. You will have victory. Tu auras la victoire. In your life, dans ta vie, knowing that Jesus is in your heart. Être conscient que Jésus est dans ton cœur. Knowing that the blood of Jesus is in être your heart. Être conscient que le sang de Jésus est dans ton cœur. When you say the blood of Jesus, quand tu dis le sang de Jésus, you are saying, tu dis cela. Jesus is at work in me. Jésus est au travail avec toi. Wherever there is a healing, the healing will come from inside of la you. La guérison sortira de l'intérieur de toi. Because that is where the blood is at work. Parce que là que le sang de Jésus est au travail. The Lord is not doing something from outside. Non, le Dieu ne fait pas chose de l'extérieur. But from inside. De l'intérieur. Because you have discovered, parce que tu as découvert, that Jesus walking inside of que you, que Jésus travaille à l'intérieur de toi-même, is the power of salvation, power of healing, power of deliverance. C'est la puissance du salut, la puissance de la délivrance et la puissance de la guérison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. So what then? Donc ainsi, is the testimony. Quel est donc le témoignage? Each one and every one of you will learn the testimony. Donc chacun de vous aura un témoignage. Because you rejoice. Parce que vous réjouissez. That inside of you, que à l'intérieur de vous, Jesus, Jésus, is working salvation. Jésus travaille pour le salut. That is the blood of Christ. Qui est le sang de Jésus. You know, say, I sprinkle the blood of Jesus and you think you are sprinkling something outside? You are bringing the power of Christ within you. Extrapoler la puissance de Dieu en vous. It's now autour de vous, covering everywhere. Et cela couvre partout. The testimony, le témoignage of the fighters, du combattant. The reason why in Exodus, la raison pour laquelle dans Exodus, the Lord told them, hold your peace. Gardez silence.
rest. Gardez le calme. Fear not. Ne craignez rien. It's because the blood was already over them. Parce que le sang était déjà sur eux. That was the Old Testament. Et ça c'était l'Ancien Testament. But now. Mais aujourd'hui. You have assurance. Vous avez une assurance. Of your healing. De votre guérison. Of your deliverance. De votre délivrance. And much, 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 much more. Plus grand que plus grand que plus. Because Jesus Christ. Parce que Jésus-Christ. Is in this house of God. Est à l'intérieur de vous dans votre cœur. Is in this house of God. Il est dans cette maison de Dieu. Cette la maison de Dieu ici. Cette maison de Dieu. Amen. Pas maison avec briques. Pas de maison faite de main d'homme avec des briques. Je suis aux maisons de Dieu. Oui, je suis la maison de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Et sacrificateur, the priest, is in the house of God. Et le sacrificateur est dans la maison. Amen. Travaille avec son sang. Tu travailles avec le son sang. Glory. So why did the Lord go straight to the testimony? Donc pourquoi est-ce que le Seigneur va directement au témoignage? When he spoke to the children of Israel. Quand il a parlé au peuple d'Israël. It's because c'est parce que they are under the blood. Parce qu'ils étaient sous le couvert du sang. But we are in the blood. Mais maintenant nous sommes dans le sang. And the blood is in us. Et le sang est en nous. Oh glory. Jésus dans le sang. Et le sang est dans mon corps. Deux choses. Et même chose. Mais attends. 12 ans. I'm in the blood. And the blood is in me. It's the same thing. Je suis dans le sang et le sang est en moi. C'est les mêmes deux choses qui sont identiques. Henceforth. There shall be no affliction upon any of your life. Il ne doit pas avoir d'affliction, de maladie sur vos vies. If you understand, mais si vous comprenez, and you discover, et vous découvrez, the truth, la vérité, that the blood of Christ is in you, que le sang de Jésus est en vous, abide in it, et se demeure en cela, so that it can bring forth fruit unto God. Alors que cela apporte des fruits en moi. Now, the fruit unto God. Mais les fruits à Dieu. And the fruit unto you. Et des fruits à toi. The fruit unto me. Les fruits à moi. Is my deliverance. C'est ma délivrance. My joy. Ma joie. My healing. Ma guérison. That is fruit unto me. Qui est le fruit pour moi. But if you abide in the blood. Mais si tu demeures dans le sang. Then it will bring fruit to God. Cela apporte aussi des fruits à Dieu. Il y a deux. De fruit. Ok, il y a deux types de fruits. Le premier fruit. Le premier. Mon délivrance, mon salvation. Le premier fruit, c'est à mon égard. Introspectif, c'est-à-dire ma délivrance, ma guérison, ma restauration. Ma victoire. Ma victoire. Deuxième. Le deuxième. La victoire de Dieu. La victoire du Seigneur. Hallelujah! Therefore is my Father glorified. Donc ainsi mon Père est glorifié. Because you bear much fruit. Et si vous portez beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. The husbandman. The husbandman. The farmer. John 15 verse 1. Oui. John 15 1. The husbandman. Le vigneron, l'époux. Le vigneron. Oui, papou. Le vigneron. In James chapter 5 verse 7. Dans Jean 5, Jacques 5, verset 5. 7. Says. Dit. That the husbandman has long patience. Because he's looking for fruit.
Oui. Voilà, le Sénat a de l'espérance. Lisez. Jacques 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière saison. Amen. Sont des fruits de lui, des fruits de God. Donc il y a un fruit pour moi et un fruit pour Dieu. The fruit to me brings joy, salvation, deliverance to me. Le fruit pour moi apporte la joie, la délivrance et le salut pour moi. But that is not the end. Mais cela n'est pas la fin. The end is much further. Mais la fin est plus éloignée que cela. So the blood, after he has done all things for us, donc après que le sang ait fait tout cela pour nous, is still working. Il continue à travailler. Alléluia. Passage. Oui. Jacques 5:7. Jacques 5, verset 7. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Raise your right hand above your head. Lève ta main droite. So, at all times. De tout temps. I am living in the truth. Je vis dans la vérité. That the blood of Jesus Christ is in me. Que le sang de Jésus est en moi. Is Jesus Christ working? Et Jésus travaille en moi. To bring me healing, pour m'apporter la guérison, to help me in my studies, pour m'aider dans mes études, to help me in my business, pour m'aider dans mes affaires, to give me continual victory over Satan, pour me donner une victoire continue sur Satan. These are only part of what the Lord will do. Ça c'est la partie de ce que le Seigneur va faire. You don't want to repeat that one? Repeat it. Ça c'est une partie de ce que le Seigneur fait pour moi. He will do more than that. Mais il fera au-delà de cela. It will bring me to perfection. Et il me conduira à la perfection. Amen. Amen. So the reason why those Israelites were told to fear not, to hold their peace, and that they will have victory over all their enemies is because they were under the blood. Donc la seule chose pour laquelle Dieu a dit au peuple d'Israël, gardez le calme, n'ayez pas peur, ne craignez pas, c'est qu'ils étaient sous le couvert du sang de Jésus. How do we know that all challenges of health, affliction, bondage, how do we know that they will total victory today? How do we know it? Comment on peut savoir qu'on a la victoire sur les défis du monde, les difficultés? Comment on peut réaliser qu'on a cette victoire sur ces choses-là? It's because we have discovered. C'est parce que nous avons découvert. The blood of Christ is in me. And I abide in that truth. Amen. So, we go to Deuteronomy chapter 20. To see what is the law that governs the testimony of the fighter. Voir quelle est la loi qui sous-tend le témoignage d'un combattant. So there's a law. Donc il y a une loi. My responsibility is to know the law. Ma responsabilité est de connaître la loi. But I will do something with the law when I know it. Donc ainsi si je connais la loi, je vais faire quelque chose avec la loi. Alléluia! Amen.
Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. So, ainsi, let's read from verse 1. Lisons à partir du verset 1. And then when you get to verse 4, on va aller au verset 4, it summarizes it. Deutéronome en chapitre 1, à partir du verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars et un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a... Alléluia! Attends, c'est mieux, c'est très mieux. Hein? Rejoice in what you read. Let's rejoice in what you read. Réjouis-toi dans ce que tu lis. Uh-huh. Oh, yeah, read it again. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Amen. Amen. Sometimes something has been troubling you in your family for a long time. Parfois, il y a des choses qui te rongent à l'intérieur de ta famille pendant de longues années. It looks like it is too, it's bigger than you. Ça sent comme c'est plus grand que toi. This afternoon. Mais ce soir. I tell you. Je te dis. Fear not. Ne crains rien. Fear not. Ne crains rien. Fear not. Ne crains rien. Why? Pourquoi? Is the law. By cette loi. By which the testifier testifies. Parce que c'est une loi par laquelle le témoin témoigne. Amen. Alléluia. C'est bon. Le témoin témoigne. C'est mieux. N'est-ce pas? Let's read it again. Yes. Premier verset. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peu plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Amen. Amen. What challenge you have, it may be 5 years old, 7 years old, whatever challenge you brought here. Peu importe le défi que tu as pris, ça fait 5 ans, 7 ans, le défi que tu as porté ici. It's like something too big for you. Peut-être tu sens que c'est un truc qui est plus grand que toi. But now, même maintenant, do not fear. Mais ne crains rien. That is what he said to the children of Israel in the first type of fight. Fear not. Ne crains rien. Fear not. Ne crains rien. Now, if you are in any challenge that looks too big for you, can you stand up now? And lift up your hand. And say, Lord, Seigneur, by your word, I testify, je témoigne. That I shall not be disobedient. Que je ne serai pas désobéissant. Now I know. Maintenant je sais. That I need not fear. Que je ne dois pas craindre. Today. Aujourd'hui. I believe you. Je crois en toi. And I testify. Et je témoigne. As a fighter. Comme un combattant. That will always win. Que serait toujours la victoire. Amen. Amen. Mais le premier verset pas fini. Continuez. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Avec moi. Avec moi.
Jésus-Christ est avec moi. Avec moi. Tout le monde. Avec moi. Tout le monde. Jésus-Christ est avec moi. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Amen. Amen. What will God do if he's with you? Mais qu'est-ce que Dieu fait quand il est avec toi? Eh, yes. Avec moi. Avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon corps. J'ai trouvé Jésus dans mon corps. Avec moi. Avec moi, Jésus-Christ est avec moi. Alléluia. With me, avec moi, comme ça. He is in me, il est comme moi, comme ça. Avec moi, comme ça. Amen. Mais donne-moi. Dans mon corps. Il est avec moi pour sa main, il est dans mon cœur. Amen. What will God do when he is with you? Mais qu'est-ce que Dieu fera quand il est avec toi? Because what God will do when he is with you, he will do it this afternoon. Et c'est ce que Dieu va faire quand il est avec toi, il va le faire ce soir. Amen. Tu es là? Est-ce que tu es là? Si Jésus est avec toi, si Jésus est avec toi, what will he do? Mais qu'est-ce qu'il va faire? The Bible will show us. La Bible va nous montrer cela. But what he will do? Mais ce qu'il fera, he will do this day. Mais il le fera ce jour-ci, aujourd'hui même. Crois-tu cela? Do you believe this? Est-ce que tu crois cela? So we need to see the things that the Lord will do. Donc on verra ce que le Seigneur fait. Il y a two things. Il y a deux choses. Parce que à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Verset 3, il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouve point. Amen. Soyez sans crainte. Amen. Ah, arrêtez ici. À toi. Today, aujourd'hui, they'll be fighting from everywhere here. Il y a des combats de gauche à droite. Wherever you are, there will be a fight. Peu importe là où tu es, il y aura un combat. Knowing Christ is within you, étant conscient que Christ est en toi, understanding the law for testimony, comprenant la loi du témoignage, and from your mouth, et de ta bouche, you will speak for the word. Tu vas parler pour la parole. But first, respect it. Don't fear. He's with you. Mais maintenant, sache qu'il est avec toi. Okay. I wonder you please. Que votre cœur ne se trouve pas point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car aha! Glory! Car four. Glory! N'oubliez pas, don't forget, this verse is a summary of the verses after it and the verses before it. C'est un résumé de tout ce qui a été dit au préalable. La résumé, toutes les choses, et dans verset 4. Le résumé de ce qu'on a dit, ce qui précède est dans verset 4. Donc, ok, lisez. Car
L'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Oh Lord God, we worship you. Seigneur, nous t'adorons. Don't choose. Two things. The Lord is with me. Le Seigneur avec toi. He will fight with me. Et combat avec toi. That's number one. Number two. The Lord will fight for me. Le Seigneur combattra pour moi. Both of them will happen this afternoon. Les deux choses vont arriver ce soir même. He's with me. Il est avec moi. As I fight, quand je combat, ici, combat, he fights. Et il combat. Because my weapons, parce qu'il est mon arme. My weapons, parce que mon arme, is not my own. Parce que mon arme n'est pas pour moi-même. Non, parce que pas. It's for who? Mais c'est pour lui. So when I fight, donc, lorsque je combat, he fights with me. Combat avec moi. Because what I fight with, parce que les armes avec lesquelles je combat, is from him. Ces armes, c'est les tiens de lui. Your mouth, ta bouche, will bring you healing. Vous n'avez pas la puissance de guérison. Will bring you deliverance. Vous n'avez pas la puissance de guérison. We break the curse. Va briser la malédiction. It will change your physical body. Il va changer ta ton physique. Glory to God. Number two. The Lord will fight for you. Le Seigneur va combattre pour toi. Amen. Amen. This is where. C'est là, décidément. That the testimony of the fighter. C'est là que réside le témoignage du combattant. Thank you, Jesus. Merci. What is the testimony of the fighter? Quel est le témoignage du combattant? I know my Redeemer is within me. Je sais que mon Rédempteur est à l'intérieur de moi. He's working. Et il travaille. He's working. Et il travaille. He's working. Et il travaille. Number two. The Lord has confidence in me. Le Seigneur a confiance en moi. To decide what I like. Pour décider ce que j'aime. And what I like. Et ce que j'aime. I'm going to testify to you. Je vais témoigner cela à lui. According to the law of God's word. Selon la loi de Dieu. Glory to God. Glory to God. I want to ask you a question. Is healing the will of God? Est-ce que la guérison c'est la volonté de Dieu? Répondez. Est-ce que la guérison est la volonté de Dieu? Oui. Do you like it? Est-ce que vous aimez la guérison? When do you like it? À quel moment vous aimez? On ne peut pas vous aimer pour là. Ah ah, d'accord. You are not replying because that's where the problem is. You are not responding because you are responding. C'est là que c'est le problème. When? Quel moment? À quel moment vous aimez la guérison? C'est moi, maintenant. That's it from my back. What about those in my front? Et c'est le moment. À quel moment vous voulez la guérison? Maintenant, bien connu. C'est maintenant. Demain est bon. Mais aujourd'hui est plus. C'est mieux. So tomorrow or not, when do you want the power of God to touch you? C'est demain aujourd'hui, quand est-ce que vous voulez la puissance de Dieu? Demain aujourd'hui. Will you be able to stand and say,
Tiens-toi debout et dis aujourd'hui. Tiens-toi debout et dis aujourd'hui. Say, I like it to happen now. Je veux que cela arrive maintenant. C'est pas cela. Amen. 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 Well, how do you do it? You will speak. Tu vas parler. In any area that is your desire. Et dans les domaines qui sont de ton désir. Open your mouth. Open ta bouche. And speak along that direction. Et parle dans ce domaine. But make sure you want it now. Mais rassure-toi que tu reçois cela maintenant. Amen. Because you are a fighter. Parce que tu es un combattant. And the blood of Christ is in you. Et le sang de Jésus en toi. And he has given you a promise. Et on t'a donné une promesse. He says from this end. Et dit de là à là. To that end. De là-bas. Is given to you. On vous donne cette terre à l'étage. Which area you like. Et là où tu voulais dire. Go for it. Cela est pour toi. Go for it. Fais cela. Open your mouth. Ouvre ta bouche. And declare it again and again and again. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer cela. Do you see? Est-ce que tu vois? Now as a time of opportunity. I would lead you in prayer for a few minutes. When I stop, quand je vais arrêter, continue your prayers. At the end of your prayers, I will pray again. You will believe. Je prie, tu vois, and multiple miracles will happen. So connect yourself to God. Donc connecte-toi à Dieu. Say with me. Vous ne pouvez pas après nous. Heavenly Father. Dieu des cieux. I discover today. J'ai découvert aujourd'hui. That the Lord Jesus, working redemption, travail à moi, working redemption, working travail, travail à moi, inside of me, dans mon âme intérieure. And now, Almighty God, et maintenant Dieu tout-puissant, I give you thanks. Je te donne le moment, because no sickness can stand the power of Christ. Parce que aucune maladie ne peut résister à la puissance de Christ. No challenge can stand against the power of Christ. Aucun défi ne peut résister à la puissance de Christ. And I respond to your law. Et je réponds à ta loi. I testify. Je témoigne. That by the stripes of Jesus, I am healed. Que par le sang de Jésus, je suis guéri. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I receive victory. Je reçois la victoire. In my body, dans mon corps. In my body, dans mon corps. I receive victory. Je reçois la victoire. In my home, dans ma maison. I receive victory. Je reçois la victoire. In my marriage, dans mon mariage. I receive miracles. Je reçois des miracles. In every area I desire. Dans tous les domaines de ma vie que je désire. You have shown me your law. Seigneur, montre-moi ta force. I believe you. Je crois en toi. The
have no challenge. No challenge is too much for me. Aucun défi n'est plus grand que moi. I receive now your miracle. Sickness, get out of my body. Maladie, sort de mon corps. Oppression in my body, out in the name of Jesus. Oppression de mon corps, sort de mon corps, nom de Jésus. Affliction by demons, cease right now. Out. Les maladies démoniaques, sortez de mon corps maintenant. I decree prosperity in my trade. Je déclare prospérité sur mon chemin. My body is fruitful. Mon corps porte des fruits. My marriage shall be blessed with many children. Mon mariage est béni avec plusieurs enfants. As I desire. Tel que je le désire. Lord God Almighty, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, you have spoken to me, tu m'as parlé, and you said, et tu as dit, these enemies, cet ennemi-là, these conditions, cette condition-là, that appear too strong for me, qui apparaît trop grand devant moi. They will fall to the ground for my sake. I overcome. Je domine cette situation. I overcome. Je domine cette situation. I overcome. Je domine cette situation. By the blood of the Lamb. Le sang de Jésus. I'm inside the blood. Et ce soir, l'intérieur du sang. The blood is inside of me. Et le sang est en moi. Nothing can separate me. Personne, rien ne peut séparer de Dieu. And I say in the name of Jesus. Et je dis au nom de Jésus. Satan. Satan. Lose your hold. Libère ma maison. Lose your hold. Libère-moi. Get out of my life. Sors de ma vie. Get out of my family. Sors de ma famille. Healing is my portion now. La guérison me partage aujourd'hui maintenant. Thank you, Father. Merci, Seigneur. The spirit of fear is taken away from me. L'esprit de peur est arraché de ma vie. I'm full of boldness. Je suis plein de guérison. I'm full of boldness. Je suis capable en guérison. I'm full of confidence. Je suis plein de confiance. By the Spirit of God. Par l'Esprit du Seigneur. Thank you, Father. Merci, Père. It's a new day for you. C'est un nouveau jour pour moi aujourd'hui. All right, continue to pray. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Continue à proclamer ses paroles.